Salut à toi la gazouille. Je suis content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer une vidéo que j'ai tournée il y a 2 ans. Effectivement, il y a 2 ans, je suis retourné chez une famille. Une famille qui m'avait appelé parce qu'il lui arrivait beaucoup de soucis. Beaucoup de problèmes au niveau manifestation paranormale. Que ce soit au niveau des parents ou des enfants. Des bruits sourds, des apparitions, une sensation de mal-être. Une photo qui s'est retrouvée déchirée. Un trou à la place de la tête de l'enfant. Ça, vous le verrez dans l'épisode. J'ai eu des gros problèmes après le tournage par rapport aux bandes vidéo en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai la plupart des bandes vidéo qui ont été tournées ce soir-là ont été corrompues. Mais j'ai réussi quand même à sauvegarder une bonne vingtaine de minutes de bandes vidéo. Il y aura beaucoup de Spirit Box et quelques prises PV. Je tiens à préciser aussi qu'il y a 2 ans, je n'avais pas de stabilisateur. La caméra reste de très bonne qualité, mais la stabilisation n'y était pas. Donc vous verrez peut-être une légère différence. Quoique les prises vidéo sont faites sur des prises fixes la plupart du temps. Sauf quand j'étais à l'extérieur de la maison. En attendant, je t'embrasse fort. Assis-toi confortablement dans ton fauteuil, dans ton canapé, sous la douche. Et suis-moi dans cette nouvelle aventure. Bonsoir, je suis Fabrice, je suis ici pour communiquer avec vous. Vous pouvez parler dans la caméra, elle peut enregistrer votre son. J'ai mis un appareil ici, il suffit de vous en approcher pour le faire déclencher. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi apparaître derrière moi. Profitez-en. Il y a aussi une lampe juste derrière là. Vous pouvez la faire clignoter si vous voulez. Merde, putain. C'est moi qui bouge la lampe. Vous êtes en haut des escaliers? Il paraît qu'il y a toujours une forme là-haut. Une sorte de bête à 4 pattes. Apparaissez s'il vous plaît. Allez-y. Vous pouvez apparaître. Changement de température. C'est moi. Est-ce que vous êtes là autour de moi? Bon, ce que je vais faire juste là, je vais aller tester la cave et le jardin à l'arrière. Voir s'il se passe des choses un peu plus poussées qu'ici.
qu'il y a du monde ici là avec moi. Ah bah quand même, après plusieurs heures d'investigation poussée, il me semble avoir entendu un PVE. Bon, il faut quand même se méfier, mais ce bruit est quand même vraiment très suspect. On va essayer de le remettre au ralenti, ouais. On va l'amplifier un petit peu quand même, voir ce que ça donne. Il semble alors que c'est la voix d'une femme qui est juste derrière mon souffle ou ma voix. Ajoutez que la bande juste avant malheureusement était corrompue. Comme je l'ai dit dans l'introduction, les bandes vidéo ont été corrompues, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pu récupérer que celle-là. C'est pour ça que vous avez des coupures en fait. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes présent ici? Venez autour de moi. Je parle aux entités, aux fantômes qui sont présents ici. Quel est votre nom? J'y suis? Y'a du monde ici? Est-ce que vous êtes là autour de moi? Vous pouvez parler dans la caméra, votre voix va s'enregistrer dans le micro de la caméra. On va faire une séance PVE. Je vais vous poser toutes les questions, toutes les 10 secondes. Il t'aidera qu'à vous de me répondre. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent du mal à cette famille? Quel est votre nom?
Est-ce qu'il y a possibilité de vous aider à partir d'ici? Que je suis le bienvenu ici. Là, je vous tourne le dos là. Je suis appuyé contre ma voiture. Vous pouvez faire plein de choses dans mon dos. Est-ce que vous voulez que je parte ? Est-ce que vous êtes plus dans la maison ou dans le jardin ? Près de nous ? Où près de nous ? Je regarde derrière. Ok. Par là, il faut que je retourne où j'étais. Vous voulez que j'aille où? N'hésitez pas à tirer mon t-shirt. Par là? Est-ce que je suis bien là? Putain. J'ai l'impression qu'on a tiré mon t-shirt. C'est vous qui... Vous avez fait un truc là, non? J'ai dû le rêver. Je me sens pas très bien. Peut-être une mauvaise impression. Est-ce que vous êtes présent là avec moi? N'hésitez pas à me le dire. Hein. Que je tombe avec la bordure. Si vous pouvez me donner un prénom, ça serait vraiment super. Bon, pour l'instant, ce qui s'est dit dehors, tout ça, ça va être analysé. Mais j'ai hâte de retourner à l'intérieur et de voir à peu près si ça bouge un peu plus là-haut, que j'ai quand même de meilleures réponses. Parce que là, je t'avoue, pour l'instant, c'est pas énorme.
pouvez me dire qui c'est qui a fait ça à la photo de l'enfant? Et quel est ton prénom? Une température à 22,3, rien d'anormal. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir chaud et que je transpire à crever. À mon avis, il n'y en aura pas plus. Ils sont pas contents ce soir. Ils n'ont pas envie de jouer avec moi. J'essaie de leur dire une dernière fois. Une bonne nuit. On peut les exciter si tu veux. Non, avec les enfants, je peux pas. Après, c'est chaud. Ouais, mais je préfère pas, je fais particulier. Ouais, je préfère pas. Mais bon, j'ai fait pas mal de PE, donc je risque d'avoir beaucoup de résultats là-dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir essayé de communiquer avec moi. Vous mettez au moins un petit au revoir. T'as entendu marcher? Non, mais je sais qu'ils sont en. Ah, mais là, on peut pas y aller avec les enfants. C'est chaud. Souhaite une bonne soirée, merci. On dirait qu'il m'évite, non? Mm. Ah, c'est ça. Et puis que je pense à. J'essaie de régler ce que je pense. Et... D'accord. Ça va encore. Bon, ben, de toute façon, on va arrêter là, puis j'analyserai tout ce que j'ai fait pour ce soir. Puis on verra bien. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Température 22,3, ça n'a pas bougé. Juste. Résultat négatif. Résultat négatif. 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 Résultat négatif. Niveau de la caméra thermique. Ah, ça c'est moi. Ouais. Ah, plus rien. Ah, le moustique. Ouais. Ah, bon bah c'est bien. Ouais. Bon bah c'est... Mission accomplie. Donc voilà, je viens de finir cette analyse de la vidéo. Tu verras cette vidéo, tu l'auras déjà vue. T'as bien vu le résultat, on était vraiment très faible. Malheureusement, j'avais filmé beaucoup plus. Quand je te l'ai répété plusieurs fois, au niveau des bandes, ça a été vraiment corrompu. J'ai pu récupérer que celle-là. Mais je ne pense pas non plus que j'aurais eu beaucoup plus de résultats. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu des résultats vraiment très concrets par rapport à certaines questions. Quand j'ai demandé... Qui a découpé la photo, la tête de l'enfant? Ça m'a répondu elle. De qui parle-t-il? D'une entité? De la mère de l'enfant?
Je sais pas si je le serai un jour. Par rapport à la voix de PVE, il faut faire vraiment très attention, mais il me semble distinctement que c'est une voix de femme. Il faut dire qu'au moment là, quand j'étais dans la cave, j'étais strictement tout seul. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai tourné cette track, apparemment tout va pour le mieux dans la famille. J'ai eu quelques contacts depuis. Depuis mon passage, il s'est passé 2-3 bricoles, mais vraiment très minimes. Donc, je ne pense pas que j'y retournerai un jour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était courte, mais intéressante. Voilà, je l'ai traînée dans mon ordinateur. J'avais vraiment envie de te la mettre. Et j'espère qu'elle t'a plu. J'avais hésité pendant un moment si j'allais vous la poster ou quoi, vu qu'il me manquait beaucoup de fichiers, mais voilà, j'ai quand même récupéré ce que j'ai pu et vous faire une petite vidéo. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, c'est un peu la récompense de notre travail ici-bas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un fantôme pas content et une autre expérience fantôme. Ce coup-ci, elle sera complète, elle fera beaucoup plus d'une heure. Je me suis enfoncé dans les sous-sols, dans les tunnels d'un bunker. Ces lieux-là, je ne l'ai jamais fait. Et vous allez voir, il y a des moments où est-ce que je suis dans un couloir de la mort. J'étais vraiment pas très fier.